Le ministre de la Santé est décidément sur le feu des projecteurs. Jean-Pierre Oyiba a organisé récemment à Franceville une cérémonie grandeur nature pour honorer les femmes du Gabon. On fait le point avec Patrick Simangoy et Victor Mundunga. Jamais une fête des mères n'avait réuni autant de mamans sur une place unique à Franceville, la capitale provinciale du Haut-Ogooué. Le choix du stade municipal a été symbolique à plus d'un titre. C'est ici où toutes les passions et tous les désirs s'expriment dans un élan de solidarité et de partage. Personne n'a tenu à rater cet événement. Les maires de Franceville, connaissant parfaitement leur fils, Jean-Pierre Oyiba, ministre de la République, doublé de sa casquette d'élu de la commune, effectué en masse le déplacement. Plus de 6000 maires sont venus non seulement recevoir leur présent de la fête qui leur est dédiée, mais aussi et surtout écouter leurs donateurs porteurs d'un message. Nous avons choisi un projet parce que Ali Bongo Ondimba a un projet pour le Gabon. Parce que Ali Bongo Ondimba a un projet pour l'avenir de fils et de filles de ce Gabon. Les Gabonais ont besoin de rassemblement. Les Gabonais ont besoin de partage. Et le président l'a dit dans son programme. Paix, développement, partage. Voilà ce dont les Gabonais ont besoin. Ils ont besoin de paix. Ils ont besoin de développement pour améliorer leurs conditions de vie. Ils ont besoin de partage. Et c'est ce que nous faisons ce matin. L'adhésion des maires de Massoukou à l'action du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, le ministre Pierre Oyiba, en a appelé à plus d'engagement. Un engagement appelle de notre part une responsabilité. Et d'une responsabilité, il faut savoir en répondre. Une responsabilité implique la loyauté. La loyauté, la loyauté. Parce que nous ne sommes jamais engagés vis-à-vis de nous à la légère. L'appel à la vigilance et à la bonne perception du Parti démocratique gabonais a été également lancé ici au stade de rénovation de Franceville, un stade habitué aux victoires de l'équipe nationale et à celle du Parti démocratique gabonais au pouvoir, créé en 1968 par Albert Bernard Bongo.